blanc, je respire vraiment. Là-haut, aux limites du oui, temps. Ça va. Là, c'est pas très loin encore. Oh, wow. Sous le vent. Là, c'est magnifique. Oh, dans le blanc. Oui, je les connais par cœur, ces arbres. Au-dessus de la forêt, là-haut, dans la montagne, il y a le chalet de ma grand-mère. C'est un petit chalet en bois, un peu comme celui du grand-père de Heidi, où j'ai passé tous les étés de mon enfance, pieds nus, en culotte, à me rouler dans l'herbe. Je suis puissante de l'intérieur. Je suis puissante sur les hauteurs. Je suis puissante à me faire peur. Quand tu cherches sur internet âme, tu tombes sur chaman. Âme, chaman. Comme si les chamans étaient les spécialistes de l'âme. Ça m'intéresse, je fouille un peu plus loin et je découvre que dans 3 jours, à Cracovie, il y a la plus grande réunion des chamans de l'Europe du Nord. Est-ce que nous avons le budget pour ça? Il nous reste 187 euros. Avec Ryanair, ça peut le faire, on décide d'y aller. Nous avons fait du ski sur un lac gelé en Laponie. On marchait sur une fine couche de glace qui nous séparait de tonnes d'eau froide dans lesquelles on aurait pu tomber à tout moment. Il y aura des gens autour de toi, Heidi, qui tomberont dans l'eau froide. Mais toi, tu continueras de marcher, juste marcher.